temps, Frère Maxime, pour comprendre. M'dou hôtel là, c'est un lieu de rencontre lié, c'est un lieu de contact, c'est un lieu d'appel, c'est un lieu d'invitation. C'est ça qui fait Frère Maxime, yo m'dou bâti hôtel ou. M'dou dressé hôtel ou. Campé hôtel ou. Sous d'accord, vont texte dit passe m'a campé hôtel moi, m'a campé hôtel moi. Sous d'accord, dit passe m'a campé hôtel moi. M'dou campé hôtel ou. M'dou dressé. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, salut. N'a continué avec étude nous sur élève ton hôtel. Nous espérons que déjà ou béni et nous encourager ou pour capable continuer suivre ce message ça, partager lien avec nos amis, partager avec nos familles et ainsi ou va béni. Déjà que bon Dieu bénisse et bonne écoute au nom du Seigneur. Pour aller rentrer dans la parole bon Dieu et pour les besoins de la cause, moi invité ou pour capable ouvrir mes bombes, utiliser plusieurs textes pour me parler ensemble avec vous. Mais il y a un texte que nous témoignons hier soir. M'invite vous pour capable garder l'ensemble avec nous encore dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, c'est la note hier soir, nous t'ai montré quelques bagailles. M'invite vous m'appeler verset 23 et 24. Mais qui sa parole bon Dieu a dit: vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Merci Papa bon Dieu pour la révélation de la parole. Ouvrez l'esprit nous pour nous capables de comprendre et appliquer dans la vie nous chaque jour. Nous prions avec pardon péché nous dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Hier soir, j'ai commencé à enseigner sur la réalité de l'autel. Je me rappelle vous avoir dit que l'autel n'est pas une invention de l'homme, c'est un principe divin. Le péché a amené la séparation et contrairement au temps de l'innocence où Dieu rendait visite à l'homme, lui parlait et l'enseignait, la relation entre l'humain et le divin ne sera plus comme avant. Le Dieu pour qui l'homme a été fait devient le Dieu en présence de qui l'homme est défait. Car aucun humain ne peut voir Dieu et vivre. Pour le rencontrer, Dieu établit pour l'homme le principe de l'autel. Nous lit en Exode 20, verset 24. L'Éternel dit, les navas besoin parler avec moi. Les navas cherchaient à me rencontrer. N'ont pas fait des dieux d'argent, des dieux d'or pour me les associer. C'est pas ainsi que moi l'Éternel j'opère. C'est pas ainsi que moi l'Éternel je fonctionne. Mais qui ça nava fait? Nava élevé un autel de terre et sous lui nava offrim des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Nava offrit sous lui les brebis et les bœufs. Et puis tout Seigneur a dit, tout côté m'a va révéler nom. Et puis tout le dit, l'Éna va faire ça, moi-même, bon Dieu, m'a vine joindre nous là et m'a va bénir nous. Bien-aimé, ça c'est gros causé. Ça pas de jouet là-dedans. Dans la compréhension originale du mot, un autel, suivant l'étymologie latine altare, de la racine altus, signifie élevé. Il décrit un haut lieu, un endroit élevé qui servit de point de contact entre l'humain et le divin. Dans la Bible, les autels étaient généralement ou souvent érigés en deux occasions. Pour la rencontre avec Dieu quand l'initiative venait de l'homme ou en réponse à la révélation de Dieu dans un lieu quand c'est Dieu qui initie le contact. Bon, dit encore. Nous avons deux occasions dans l'Ancien Testament qui ont expliqué pour bâtir l'autel. C'est quand l'homme prend sur lui-même la responsabilité de rencontrer Dieu. Quand l'homme initie le contact, l'homme dresse un autel, présente des sacrifices à Dieu et Dieu vient le rencontrer. Deuxième occasion qui qu'on fait autel, yo érigé ou bâti ou construit, c'est lorsque bon Dieu
fin révéler à un monde non espace non lieu pour se le rappeler, pour se le mémorer, moun nan kon construit yon hôtel à bon Dieu qui te paraît côté là. M'jouen samdou là, dans Genèse 12, verset 7 et 8, ou jouen tout de conditions ou bien tout de occasions, ça ou dans verset, sa Bible a dit, dans Genèse chapitre 12, verset 7 et 8, j'enseigne, il dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Watch this. L'Éternel paraît sous Abraham et plutôt l'Éternel fait aux promesses à Abraham. Et en réponse à cela, la Bible a dit, Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Ça, c'est bon Dieu qui paraît contre Abraham, qui dit au bagage, qui rencontre Abraham. Et pour Abraham, capable de mémorialiser cette rencontre, il bâtit un hôtel. Deuxième occasion qui explique ça, ou je dans le même texte, dans verset 8 là, Bible a dit, il, c'est-à-dire Abraham, se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, étant de ça dit, il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel, and watch this, et il évoqua le nom de l'Éternel. Cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui vient rencontrer Abraham. C'est Abraham qui veut rencontrer Dieu. Et pour le faire, après avoir dressé cette tente, la next bagarre Abraham fait, il partit en hôtel. Et là, il invoquait le nom de l'Éternel. Donc, on bâtit un hôtel pour chercher Dieu et on bâtit un hôtel pour se rappeler ou se mémorer la révélation de Dieu dans un espace ou dans un lieu. Conséquemment, hôtel là capable yon lieu mémorial. Ça veut dire. Ça veut dire. Gébagay, bon Dieu fait pour un côté. Ou ta doué, sous un bon sens, bâti un hôtel là. Yon nan kote bon Dieu benim. Et me senti chaque fois me bral là, me ta doué bâti un hôtel. Ou bien passer ba kote hôtel c'est Jacksonville. Jacksonville, j'ai vu la main de Dieu. Gen bagay l'Éternel fait pour gen gens bon Dieu rencontré. Gen bagay ou pas kablié. Et c'est ça que fait après de temps à autre. L'Éternel a fait peuple là bâti des hôtels qui c'est des mémorials. Bagay les yo songé, bagay les petits yo mandé. Mais bagay ça, ça lui le dit, ça que t'est passé là et puis tu dis là, c'est bon Dieu que t'es fait une loi fait nous passer. Là, c'est bon Dieu que t'es pété fiel ennemi. Là, c'est bon Dieu que t'es fait dégâts pour nous. Donc ou pas seulement bâti hôtel pour rencontrer mon Dieu. Mon bâti hôtel pour songer ça bon Dieu t'es fait dans la vie ou, pour songer côté il te prend ou, pour songer où il te fait passer, pour songer ennemi il t'est englouti, pour songer peuple il t'est anéanti. Et chaque fois où est hôtel ça yo, où levez mon aile et puis tout dit gloire. Chaque fois où est mon Dieu qui te fait miracle là, chaque fois où passer dans une zone quand on doit mourir, chaque fois où visiter quand on te fait accident, chaque fois où passer dans quartier yo te tiré sous roi, chaque fois où changer high school, na high school ça ou pas doit sortir non na high school ça vieux te tout doit gaspiller, oui na high school ça vieux te doit péter, oui et puis tout l'Éternel faut entrer et puis tout le mettre au dehors, il faut entrer dans collège là, il mettre au dehors, il faut entrer dans zone là, lui mettre au dehors, il faut entrer dans espace là, lui mettre au dehors. Laisse ça ou parti au hôtel pour songer et mémorer le Dieu qui t'a visité, le Dieu qui t'a rencontré et le Dieu qui t'a béni. Hôtel, c'est un lieu de rencontre. Si on porte ouverte sur le monde invisible qui permettent l'homme non approcher bon Dieu. Le seul endroit, pas j'oublie ça, Abdoulala. Le seul endroit où Dieu vient rencontrer la création après le jardin d'Éden, réelle yon hôtel. Seul côté. Moun rele bon Dieu. Bon Dieu vient rencontrer vous. Après le jardin d'Éden. Il y aurait les côtés ça, il y a un hôtel.
policier. Balaam, Balaam, tu connais ce que ça. Suive-moi avec un pile attention. Me dit Balaam, tu connais ce que ça. Pasteur, comment vous fait dire que Balaam te connaît secret ça? Dans Nombre chapitre 23, lorsque Balak, roi de Moab, fait appeler Balaam pour maudire Israël, Bible a dit nous, dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 1er, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Bible a dit dans verset 2, Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent 1 taureau et 1 bélier sur chaque autel. Balak, Balaam, les Michel fin offrir sacrifice là. Les fin relé, mon Dieu, ou songe me dit que yon hôtel c'est un porte qui ouvert sur le monde invisible. Et clé qui active porte là, c'est le sacrifice, c'est with me now. Le Balaam fin offrir qualité sacrifice ça. Attendez ça dit dans verset 3. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me relèvera. Et il alla dans un lieu élevé. Suive langage texte-là de près. Balaam dit peut-être. Bon Dieu a venu. Why? Parce que bon Dieu, ce n'est pas sacrifice qui contrôle. Bon Dieu choisit venir. C'est cible venir. Mais pour venir, amen. L'idée, mais qui ça? Ou a besoin de faire? Et moi-même, peut-être là dans le texte, là, c'est pour capable de faire comprendre que ton sacrifice ne contrôle pas Dieu. La réponse de Dieu est toujours une réponse de grâce. Tu ne contrôles pas Dieu. Tu ne domines pas sur Dieu. Tu n'es pas capable de le manipuler. Bien que ton sacrifice est grand, bien que ton sacrifice coûte cher, bien que ton sacrifice est puissant, Dieu décide s'il vient et quand il vient. Et sa réponse est toujours une réponse de grâce. Thank you, God. Balaam dit, bon, faut-il y aller pour moi s'il a venu. Hey! Verset 4 là, miel. Le verset 4 là, parole a dit, Dieu vint au devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert 1 taureau et 1 bélier sur chaque autel. C'est ce qui a passé là. L'Éternel paraît. Balaam il est, il paraît. Et puis tout Balaam dit, mon dressé autel. En d'autres termes, c'est moi qui t'ai relé. C'est moi qui t'ai voulu rencontrer. Et tellement te voulais rencontrer. Je pas de son seul hôtel. Je pas de rester 2. Je pas de rester 3, ni 4, ni 5, ni 6. Mais j'ai de rester 7 hôtels. Maintenant, on va comprendre que sous chaque hôtel, il offrit un taureau et un bélier. That means it was a costly sacrifice. Stay with me now. Même Haïti, là, on moun gon tor bœuf, ça veut dire qui choye. Donc, wap comprenne, yon, nan principe sacrifice, tenez bien, alléluia,
Vous comprenez, yon, non, principe sacrifice, bon Dieu agréé, son sacrifice qui coûte comme. Mais pour qui raison, pasteur B, là nous lit, dans le livre de Samuel, côté l'Éternel a frappé Israël, dans 2 Samuel 24, verset 24, Bible a dit, mais terre, dit David, la balil pour grand messie. Et David dit comme ça, m'pap offri bon Dieu yon bagay qui pas coûte rien. Yon bagay qui pas gen valeur. Yon nan principe sacrifice sous autel bon Dieu, son bagay qui gagne valeur, son bagay de prix. God, why does it have to cost? Pour qui raison l'oblige coûter? Il y a tout au moins deux réponses. Sacrifice là, oblige coûter pour révéler valeur moun wa bailia. Sacrifice là, oblige coûter pour le révéler valeur mon wa profil à lui-même. Bon nèg, c'était saison mango. Monsieur bon quelque vieux mango mérilan. Vieux mango mou. Faut jeter mango à fréquent. M'badou grand go vinn bon vieux mango. Chaque mon quoi. Et puis tu me dis dans si moi-même qui sont vieux homme, je jette ton vieux sacrifice. Bon Dieu, des sacrifices pour Bali, les jeter parce que les gens n'y comptent son manque de respect. Le sacrifice coûtait parce qu'il était offert à un Dieu de haut rang. Deuxièmement, le sacrifice coûtait. Why? Parce que, tenez bien, sacrifice a coûté pour révéler une réalité. Le péché te coûte toujours quelque chose. Sin always costs you something. Faut aller. On avance. On avance. Monsieur, bah, sacrifice là. Michel, offre sacrifice là. Li tonne, bon Dieu. Son appel, li baye. Son invitation, li lance. Et Bible a dit dans verset 24 là, Dieu répond à l'invitation. Et Dieu vint au devant de Balaam. Maintenant, l'important, frère Maxime, pour comprendre. Ndou hôtel là, c'est un lieu de rencontre lié, c'est un lieu de contact, c'est un lieu d'appel, c'est un lieu d'invitation. C'est ça qui fait frère Maxime yo m'dou bâti hôtel ou. M'dou dressé hôtel ou. Camper hôtel ou. Sou d'accord, vont texte dit passe m'a camper hôtel moi, m'a camper hôtel moi. Sou d'accord, dit passe m'a camper hôtel moi. M'dou camper hôtel ou. M'dou dressé hôtel ou. Camper hôtel ou la caillou. Camper hôtel ou dans bureau. Dresser hôtel ou dans travail ou. Dresser hôtel ou dans l'école ou. M'dou camper hôtel ou. Aïe aïe aïe. M'dou camper hôtel ou. Camper hôtel ou. Dresser hôtel ou. Monter hôtel ou. Positionner hôtel ou. Ranger hôtel ou. M'pas d'accord moi-même. M'pas d'accord pour diable gen hôtel pour mon Dieu pas gen hôtel. M'pas d'accord pour grand gen hôtel pour moi-même serviteur mon Dieu pas gen hôtel. Pour ma son loge gen hôtel pour moi-même serviteur mon Dieu pas gen hôtel. Pour aussi chrétien gen hôtel pour moi-même serviteur mon Dieu pas gen hôtel. M'tout camper hôtel ou. M'tout dresser hôtel ou. Dresser hôtel ou. Dresser hôtel ou. M'pa konne ki sak te kon pase la ka la avan. M'pa konne ki sak te kon rive nan la vou avan. Même déclaré gen hôtel l'offre fin dresse l. Gen hôtel l'offre fin monte l. Gen hôtel l'offre fin chauffe l. Ou chauffe l par le sacrifice de la prière. Ou chauffe l par le sacrifice du jeûne.
ou chauffé par le sacrifice du temps passé dans la présence de Dieu, ou chauffé au-delà, ou réclamé le sang de Jésus, ou invoqué le sang de Jésus, le sacrifice le plus pur, le sacrifice le plus saint, le sacrifice le plus élevé, déclaré dans le nom de Jésus, c'est pour autel la travail vous. 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 Campez autel. Campez autel. Campez autel. Campez autel. Dressez autel. Chauffez autel. Présentez dans autel. Et invoquez le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et puis tout dit, Seigneur, m'bagé bœuf, Seigneur, m'bagé bélier, même gagné le sang de Jésus. Et au nom du sang de Jésus, moi invoqué au nom du sang de Jésus, moi réléo. Au nom du sang de Jésus, moi interpellé. Nous campons en tel ou en même temps, sentez-vous. Campons en tel ou. Campons en tel ou. Campons en tel ou. Campons en tel ou. Dressez en tel ou. Maintenez en tel ou. Entre terre et en tel ou. Parlez devant en tel ou. Parlez devant hôtel la midi. Parlez devant hôtel la souhait. Rêlez. 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 Aïe aïe aïe. Tout monte hôtel ou. Tout dressé hôtel ou. Tout planté hôtel. Tout crampé. Planté en la coucale. Planté en de caille. Planté en de chambre, planté en un salon, pile à la hauteur, bombardé à la hauteur, boulé à la hauteur. Hey! Planté, planté, planté en terre, tout planté en terre, tout planté en terre, tout monté en terre, tout dressé. Invoquez l'enfini. L'enfini. Invoquez. 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 Réveillez mon Dieu. Réveillez mon Dieu. Céleste Père. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac et de Jacob. Moi, m'a dit, dans la saison ça, c'est pour être mis en plein coup. Dans la saison ça. C'est pour ennemi en plein bas. Non, c'est tout ça. C'est pour ennemi en grave. Où est que l'hôtel? Où est l'hôtel? Implanté hôtel dans ma vie. Que peuple pour Dieu. Implanté hôtel dans ma vie. Que implanté hôtel dans la fortaleza. Que implanté hôtel dans Orlando. Que implanté hôtel dans Westbam. Hôtel dans Tampa. Hôtel dans Palm Beach County. Hôtel dans Jacksonville. Hôtel dans New York. Hôtel au Canada. Hôtel en Europe. Hôtel en Afrique. Payé. 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 Bombardé. Bombardé. La terre à côté. Bombardé. Espace à hôtel. Plantez-vous. Plantez-vous. Campez hôtel. Dis campez hôtel. Dis campez hôtel. Dis campez hôtel. Ça fait longtemps. Père mon Dieu. Pas planter hôtel. Ça fait longtemps. Des hôtels qui pas planté. Ça fait longtemps. Des hôtels qui pas bâti. Dis planter. Dis planter. Dis planter. 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 Et planter. Planter.
Priez. Moi, priez, pour que bon Dieu lâche sous peuple. Il y a un esprit de prière. Moi, je m'en couler. Pour que bon Dieu lâche dans l'église. Il y a un esprit de prière. Moi, je m'en couler. Pour que l'éternel leve les jeunes garçons avec un esprit de prière. Moi, je m'en couler. Pour que bon Dieu leve les jeunes filles avec un esprit de prière. Les coulières pour que bon Dieu leve des pasteurs, des évangélistes, des dames missionnaires, des diacres, des anciens qui gagnent sous la vie. Esprit de prière. Hey! Plantez-en. Priez. Dis Seigneur, levez les hôtels. Levez un peuple qui a bâti des hôtels. Priez. Watch this. Pensez, yon hôtel, son bagay, ou dressé seulement pour tête. Et plutôt, l'aime rivé dans le livre de Job. Bible a dit comme ça. Petit Job, yo, qu'on fait fête, yon a la caille l'autre. Et puis tout dit, dans verset 5 là. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Aïe. Attendez, m'gadou, qu'il y a deux bagages m'gadou pour faire. Non seulement, vous pouvez dresser l'hôtel, mais ça m'a demandé pour faire. M'a demandé pour dresser un hôtel sous nos petits tout. Et puis nous prenons de ces hôtels sous nos petits doigts. Et puis nous là-dedans, nous levons tout le monde devant mon Dieu. Même Jean-Job, t'es de ces hôtels. Et puis nous t'es offert des sacrifices pour petit lit. Moi, déclarer que maman, pour sauver petit tout, on a besoin de son hôtel. On a besoin de planter un hôtel là-là. Des fois, ou pas la jeune garçon, lui pas attendez. Ou pas la jeune fille, lui pas attendez. Et puis nous ne pas comprendre. Et puis tout le grand monde, grand maman, ou suspend. Parlez avec elle et puis tout commencez à prendre ou porter devant mon Dieu. Dressez-en, dressez-en pour jeune garçon. Hey, dressez-en pour jeune fille. Dressez-en. Dis-toi, tu veux dire jouer. Dis-toi, tu veux dire gaspiller. Malheureuse pour ça moi-même. Malheureuse pour ça moi-même. Comme on dit, les hôtels de dressés qui répondent. Tout de rester en terre. Tout de rester en terre. Du Seigneur. Nous devons rester en terre ça. Nos chambres salies. Nous devons rester en terre ça. Nos chambres Nathan. Nous devons rester en terre ça. Nos chambres Gigi. Et puisque l'hôtel là sont bois. Dans le monde visible. Vers le monde invisible. Les abdominaux la nuit. Rentrez dans la chambre. Rentrez dans la chambre. Rentrez dans la chambre. Tout de rester hôtel, égaré, de rester hôtel, de rester hôtel, de rester hôtel, campé.
Bible révèle nous que causer hôtel ça, c'est pour idée qui sortit sur la terre. Son idée qui sortit dans le ciel. En fait, tenez bien, gagner hôtel sur la terre, c'est parce que gagner hôtel dans le ciel là. Et hôtel dans le ciel là existait avant hôtel sur la terre. Parce que tu joins ça. Bien aimé, pour même qu'il y livre Exode là bien, vous avez remarqué de Exode 25 pour arriver dans Exode 31. 7 chapters. 7 chapitres. Et de Exode 25, Pasteur B, pour arriver dans Exode 31, son seul sujet, on doit parler sous lui. Le sujet du sanctuaire. Au seul sujet dont tu as parlé de lui. Le sujet du sanctuaire. Et au début du chapitre, au début de Genèse, de Exode 25, l'Éternel parle à Moïse en façon. Bible dit, bon Dieu dit Moïse, mort, parle aux enfants d'Israël. Et puis tout dit comme ça pour porter ton offrande. Il dit, on va recevoir offrande ça, non mais tout le monde qui fait avec bon cœur. Il dit, mais qui ça va recevoir, non mais l'argent, l'or, les reins, étoffe, tête en bleu, en pourpre, en cuirmasi, fêlé, poil chèvre. Toute qualité bagaille nécessaire à la construction de l'hôtel, bois d'acacia, tout le bagaille mon Dieu m'a dit pour la construction de l'hôtel, c'est bagaille de valeur et de prix. Et puis tout l'air, mon Dieu, finit par la Moïse. Alléluia! Mon Dieu dit Moïse dans verset 28, dans verset 8 là, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Stay with me now. Nous-mêmes, adventistes du septième jour, nous croyons dans la doctrine du sanctuaire, son doctrine fondamentale de l'église adventiste. Mais en pile, moun qui mal comprennent la doctrine, ils ont limité à 1844. Le bon Dieu baille, bien que l'interprétation 1844, l'ichita, bien chita avec la prophétie de Daniel, mais le bon Dieu te baille. L'idée du sanctuaire, tout au début, peuple ça que tu recevoir un message sanctuaire, they know nothing about 1844. Bon Dieu, tu as une raison qui fait, mandez-nous pour nous faire sanctuaire, c'est pour nous capables de vivre dans mes temps. C'est pour nous capables de rester dans mes temps. En d'autres termes, oh God, c'est pour me capable de prêter nos présences, moi. Présence ça que péché te dérange. Présence ça que péché te privé. Mandez-nous pour nous faire un sanctuaire pour moi. Et même là, nous pas qu'à jouer une présence dans la même dimension, hein, mais tout au moins, n'a comprendre que moi-même, bon Dieu, là, dans mes temps. Et là, vous gardez ce sanctuaire là bien. Premier ustensile qu'on joigne dans le sanctuaire, là, vous finissez de traverser cette porte là, vous jouez l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est là que tu peux offrir sacrifice. Stay with me now. Mot hébreu pour hôtel là, c'est misbéa. Et ce mot, lui signifie littéralement lieu d'abattage ou de sacrifice. Donc l'hôtel est un lieu où l'on présente à Dieu
des sacrifices. Et depuis, on parlait de sacrifice, on parlait de la mort, on parlait de sang, on parlait de vie. Je souhaitais, c'est qu'on pile le temps pour me parler de bagaille ça. Mais prêtez attention, parce que là, c'est pas temps pour comprendre l'enseignement ça. Je pense que c'est une question. Pour qui raison sacrifice est nécessaire pour l'autel? Tenez bien. L'autel se nourrit de sacrifice. Un autel sur lequel on n'offre pas de sacrifice est un autel impuissant. Est un autel qui ne fonctionne pas. Est un autel désuet. Ceux qui gardent l'autel en vie, l'anime, le nourrit, l'attise, c'est le sang. Je me posais cette question, pourquoi le sang était-il nécessaire? Maintenant, on a besoin qu'on ait que sacrifice ta main de sang et sang t'est nécessaire pour qui raison? C'est parce que c'est par le sang qu'on fait l'expiation des péchés. Le mot expiation est un mot fort. En français, il dit expiation, mais en anglais, il dit atonement, which means something that you do to repair a wrong or an injury. Donc, yon expiation, c'est le prix qu'on paye suite à une faute, un crime ou un péché pour se faire pardonner. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, depuis on moun péché, faut mourir. Sauf si y a un monde qui mourit dans place. Maintenant, ou vin comprendre mot économie ça qui est le exchange. Si vous comprenez ça, vous comprenez que yon hôtel, c'est yon endroit de transaction spirituelle. Tu donnes quelque chose et tu reçois quelque chose. Et pour recevoir quelque chose, tu dois donner quelque chose. God. Révélation, révélation, merci bon Dieu. Le sang est exigé. Why? C'est parce que le sang représente la vie qui est donnée à la place d'une autre vie. Dans le monde spirituel, ou pas sauver une vie, comme ça, non! Dans le monde spirituel, pour sauver une vie, faut qu'on baille une vie. C'est ça, Aurélie, en d'autres termes, le principe de la substitution. Parce que quand on ça, l'évangile n'en ouèlou. Nous, l'évangile n'en ouèlou. L'évangile n'en dégouenou. Dans Lévitique 17, verset 11. Dans Lévitique 17, verset 11, Bible a dit comme ça, car le sang, c'est la vie de toute créature. Le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné, c'est-à-dire je vous donne le sang, pour quelle raison? Afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Ça veut dire, c'est parce que sang représente la vie. Et pour jouer une sang, il faut que son vie qui baille. C'est ça qui fait que qui t'est fait là, les carrés par il. La vie de l'animal pour la vie de l'homme. Donc quand l'animal est tué, ça représente, ça représente que bête là mourit dans place l'homme. Non. Et parce que sang coulait, pardon, bail ou accordé, conséquemment, Dieu peut rencontrer l'humain. Hébreux 9, verset 22. Presque tout, d'après la loi,
purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, dans le sacrifice des animaux était utilisé comme des vies données à la place de la vie de l'humain que le péché réclame. Quand même bien, frère, de pour péché, péché a réclamé la vie. Et ça que doit le péché, il n'est pas seulement réclamer la vie de qui péché, mais réclamer la vie de tout ça qui appartient à monde qui péché. Tout ce possible, tout ça connecté avant le réclamer. Et puis tout la Bible a dit, il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte leur péché. Ça veut dire, tout sang ça a coulé, tout bœuf ça a qui t'est sacrifié, tout brebis ça a qui t'est immolé, pas capable d'enlever le péché. Chaque passé, bagay ça a, les animaux qui étaient immolés, ne pouvant effacer les péchés, il a été annoncé le sacrifice parfait, le sacrifice excellent, le sacrifice pur, le sacrifice efficace, le sacrifice idéal. Tout le bagage ça a été représenté et annoncé Jésus. Mais pour quelle raison? Les gens voient Jésus et puis tout le dire comme ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, je vais lire un texte pour rapidement. Hébreux 10, verset 4 à 10. Bon, je vais lire rapidement. Lisez comme ça. Il était impossible. Hébreux 10, mettez-le pour moi, s'il vous plaît. Hébreux 10, verset 4 à 10. Seigneur, bénis-nous. Dans le moment, ça me dit merci. Parce que c'est vous-même qui est bon Dieu. Pas qu'un deux bon Dieu. Pas qu'un deux bon Dieu. Pas qu'un trois bon Dieu. C'est un seul bon Dieu qui gagne. Grosse bagaille, ça, c'est au seul qui t'a fait. Grosse miracle, ça, c'est au seul qui t'a accompli. Non, Hébreux chapitre 10, verset 4 à 10, il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on l'offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alléluia, ça veut dire. Ça veut dire, sous l'autel, moi, pas besoin de jouer bête encore. Sous l'autel, moi, pas besoin de touiller bête. Et puis tout le temps, ça le dit. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Comment nous sommes sanctifiés? Par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. En d'autres termes, ça sans cabri de pas de café, Jésus fait. Ça sans mouton pas de café, Jésus fait. Ça sans taureau pas de café, Jésus fait. Ça sans bœuf pas de café, Jésus fait. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas de péché, non? Sans ça, pas laver. Alléluia. Pas de crime sans ça, pas pardonner. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Adultère sans Christ efface. Le meurtre sans Christ efface. L'idolâtrie sans Christ efface. Orgueil sans Christ efface. Iniquité sans Christ efface. Prostitution sans Christ
est facile. Quel que soit nos péchés à poter sans crise est facile. Et puis tout le temps des serviteurs qui dit, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me white as snow? Nothing but the blood of Jesus. Ok, on lit comme ça. Sa capable laver péché. Rien passé sans Jésus. Sa café vide blanc ou neige. Rien passé sans Jésus. Nous espérons que nous avons été bénis par le message ça. Nous encourager pour capable et bien continuer et bien. Utilisez plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment du côté et gens qui plus facile pour nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens former monde édifier et ainsi pour nous capables de faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guérons dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remercions, nous remercions tout. Bye bye.